Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Il ne manque plus maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la Poule Guitare, Omar Da Fonseca. Et nous allons vous commenter cette rencontre. La Bundesliga qu'on retrouve tout de suite avec cette rencontre passionnante. Schalke 04 affronte Hoffenheim. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir. C'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Ouais, bonne intervention là. Et la frappe, bonne intervention du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Olé, belle technique là. Intervention du gardien. Trelinho, c'est parti. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Perdons vers Kramaric. Tir contré, sans difficulté. En deux temps. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Sa caractéristique principale, c'est son habileté technique, cette capacité à dribbler n'importe quel adversaire dans n'importe quel espace. C'est une sorte d'équilibriste de football, capable de résoudre tous les problèmes avec un dribble, une feinte. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Et attention, la faute dans la surface, c'est un pénalty. C'est donc un carton jaune pour cette faute. Il y a déjà un pénalty, ça me semble une bonne décision.
et le pénalty est repoussé. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Geiger. Ah, il y a un bon pressing. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Oh, la frappe! Et voilà, directement dans les mains du gardien. Ah non, il est perdu ce ballon. Le ballon en touche. Ah, bonne couverture de balle pour temporiser. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. C'est loupé, pas de réussite. Oh, pas terrible ce ballon rendu directement aux adversaires. Sur l'adversaire direct et très bonne intervention du gardien. Le public se fait entendre avant ce corner, première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. C'est bien parti pour ce corner. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. La projection dans le camp de l'adversaire. Allez là, pourquoi pas frapper? Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance, c'est très très fort. Le corner. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Attention la frappe. Et c'est bloqué par Baumann. Pour l'instant, on voit que les deux équipes se neutralisent. Les chiffres de la possession le confirment. Mais elles sont toutes les deux conquérantes. Et ça donne un match très ouvert avec beaucoup de possibilités.
Mais c'est toujours un match à zéro but pour le moment. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Et donc on va en rester là, c'est la fin de la première période. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Ah, c'est raté, dommage. Geiger. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Oh, la frappe au but. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficultés. Ah, le contact sans faute. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Sans aucune difficulté pour le gardien. La relance du gardien est un peu manquée. L'occasion de prendre l'avantage. Le ballon sur la transversale, attention. L'attaque adverse est finalement bien repoussée. La frappe est contrée. Et voilà, encore sur la trajectoire. Et donc l'arbitre siffle la faute. C'est un coup franc. Ah, contrôle, l'orientation du corps, tout est magnifique. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Voilà une bonne défense. Baumgartner avec le ballon. Allez, ce ballon est subtilisé, in extremis. Bien défendu, le ballon est récupéré. Oh, la faute et du coup, un coup franc très dangereux à venir. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Le ballon vient caresser le montant sur ce coup. On a même cru imaginer un instant que c'était dedans.
Bonne progression dans le camp adverse. Attention à la frappe. Et encore un bon arrêt pour conserver ce score de parité. Ça aurait pu être l'ouverture dès la boîte, mais on reste sur ce 0-0. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. C'est bien parti pour ce corner. Ah, le gardien repousse, attention ce ballon qui traîne. Oh, il s'en est fallu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. C'est plutôt bien arbitré, l'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Très bon arrêt du gardien, il tient bon pour l'instant. On peut se voir le premier but de ce match, mais il faut reconnaître que les deux gardiens sont excellents aujourd'hui. Corner. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Et la frappe, excellente intervention. Allez, bien frappé ce corner. C'est réceptionné, attention. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Tout en finesse. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Attention à ne pas perdre le ballon dans cette zone du terrain. Ah, la faute elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Et voilà, un ballon récupéré. L'équipe n'abandonne pas, évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Oh oui, la frappe. L'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Le changement est demandé et il a lieu. Ah, il est mal tiré ce coup franc en plein dans le mur. Et but ! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. Au départ, on s'attend à autre chose et puis finalement, le ballon n'a pas le temps de redescendre. Il est joué de la tête. C'est vraiment très bien joué. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. 5 minutes encore à jouer dans ce match.
La bonne intervention, ballon dans les pieds. Le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée, elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Le ballon sort, c'est une touche. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Le point du nul leur échappe au tout dernier moment. Il y a de quoi rager, comme vous dites.